Hey everybody! Hey, salut les gens, c'est XP Game et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle fois sur Uncle Shark World. Et donc, la dernière vidéo, je vous avais présenté comment avoir un max d'or avec le requin Mac. Et aujourd'hui, je vais vous montrer un nouveau requin que j'ai débloqué. Donc, on va aller voir, hop! Donc tous les requins que je possède. Hop, donc voilà le requin Mako. Et j'ai réussi à débloquer tam 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 le requin tigre, donc pour les XL. Donc je voulais pas me contenter du grande gueule ou du requin marteau parce que je voulais le plus puissant de ces requins. Comme j'avais fait pour le requin Mako, même si j'avais en premier pris le requin bulldog, après le requin Mako, j'ai réussi à avoir le gobelin. Et là, donc, j'ai économisé pour avoir le requin tigre, pour après économiser pour avoir le requin baleine que j'aimerais vraiment avoir, et surtout le grand requin blanc. En premier, je prendrais le requin baleine, mais pas le requin pèlerin qui est nul, je trouve personnellement. Donc voilà, donc je l'ai à peine commencé, hein, donc je suis qu'à 2 sur 20. Donc voilà, donc on va un peu le booster, on va un peu le mettre au max. Donc voilà, donc déjà, hop, voilà. C'est parti, donc le voilà. Donc je l'ai un peu stylisé. On va lui rajouter deux petits familiers. Hop. Et hop, c'est parti. Donc on va lui mettre deux petits sympas. Donc on va lui mettre Félix qui est super bien. Et on va lui mettre le Kraken, évidemment. C'est parti. Donc voilà, donc j'ai débloqué une autre mer. J'ai aussi débloqué la Chine, mais elle est hyper dure. Là-bas, il y a que des. Tu te fais tuer, même si t'es un requin tigre, donc un requin XL. Donc je pense qu'on va partir sur l'Antarctique. Et c'est parti, donc voilà. Vous avez vu, il est énorme. Enfin, il fait un peu, voilà, donc il est énorme, mais ouais, moi bon, il est énorme, mais moi personnellement, je le croyais plus grand que ça, le requin tigre, car c'est quand même un requin XL. Il est plus petit que, enfin, il est plus gros, mais en niveau de la taille, il est plus petit que le requin Mako. Après, on peut manger des méduses enfin des requins tigres. Mon préféré restera le requin marteau et le Mako. Qui je trouve ressemble énormément au grand requin blanc, mais un peu moins imposant. Voilà. Donc c'est parti, donc c'est la première fois que je joue donc avec celui-là, donc on va aller voir les missions. Tatata, gagné, ok, c'est parti. Ouh la merde, putain. J'ai pas fait attention. Ah, un requin, un poisson gemme. Merde, je crois que j'ai vu un orque. C'est pas une bêtise, vu que ce soit un grand requin blanc. Oh putain, je joue comme une bouse. Donc celle-là, je peux pas encore les manger. Ah, un requin gobelin. Ah ouais, ça. Hop. Non. Ce qui est bien avec son requin, c'est qu'il va plus vite que le courant en fait. Il peut contrer le courant. Ah, un petit orque. Bon, là, c'est un bébé. Voilà. Donc, on fait la taille d'un orque quand même. Hein. Donc, c'est un gros morceau quand même dans l'histoire. Ce requin tigre, alors que dans la réalité, même le requin Mako. Hein. Le requin Mako dans l'histoire, il fait la taille d'un énorme requin blanc. Hein. Le requin tigre, bah, il est un peu plus petit. Ouais, je vais bientôt mourir. J'ai pas envie de mourir. Je suis mort. Ah bah non. Donc voilà, donc on l'a débloqué. Tiens, je suis trop content. Merde, putain, je me prends toutes les bombes. Je suis trop content de l'avoir débloqué.
Ce qui est bien aussi avec celui-là, c'est qu'il est beaucoup plus résistant. Que maintenant, en ce moment, il est hyper résistant, quoi, ce requin. Il est peut-être pas hyper puissant, mais il est hyper résistant. Bah voilà, ben, je suis mort. On va refaire une petite game. Hop. Le problème ici, c'est qu'il y a énormément de bombes. Et ça, c'est le problème de cette map, en fait, c'est qu'il y a trop de bombes. Et ça, c'est énervant. Du coup, oh putain, petit plongeur. On va essayer de descendre. Bon, voilà, donc là, on est dans un endroit qui sert absolument à rien, si tu veux. Par contre, si tu veux mourir, c'est un bon endroit. Et je suis mort. Donc voilà, donc je suis encore là, j'ai remis une game, je suis mort. Le problème en fait avec mon ancienne partie, c'est qu'on a même pas une ruée vers l'or. Putain, attendez. C'est parti. Ah ouais, lui il est vraiment puissant, mais je pense que le... J'ai une petite préférence quand même pour le Rokamako. Parce que le Rokamako déjà, il était beaucoup plus rapide. Un peu moins résistant, mais il était quand même hyper résistant. Mais celui-là, je crois que c'est avec le grand, je crois que c'est le requin baleine le plus résistant. Le grand requin blanc et lui. Le requin pèlerin n'est pas du tout des résistants. C'est juste qu'ils peuvent aller plus de choses. Oula, là, il y a des petits requins bulldog. Là, ils sont tout petits. Voilà. Donc pourquoi j'ai pris cette map, hein, parce que j'aimerais vous présenter quelque chose. En plus de mon petit requin tigre. Un petit façon de parler. J'aimerais vous présenter. Voilà, donc on a récupéré ça. J'ai pas envie de faire trop le tour parce qu'il y a trop de bombes. Donc je vais aller vous présenter quelque chose. Le problème c'est qu'ici j'ai pas la carte. Donc c'est un peu plus compliqué. Hop. Oula, il y a des petits requins bleus. Bon, ouais, ils sont minuscules. Hop. Enfin, je peux casser ça et je peux voir beaucoup plus de choses et des narvals. Mais ouais, voilà. Franchement, quand même, je trouve que c'est un bon requin. Oula, un grand requin blanc. Donc voilà, donc c'est ici que l'endroit que je voulais vous montrer, c'est en fait Armand 511 avait déjà fait une vidéo dessus. C'est la forteresse de Superman, mais en premier, j'aimerais avoir beaucoup de boost, beaucoup de. Enfin, je veux dire. Ne pas être affamé parce que sinon je vais mourir en très peu de temps. Donc il serait cool d'avoir une ruée vers l'or. Donc je vais un peu. J'essaie d'avoir une ruée vers l'or. Oula. Merde. Je vais me faire démolir. Vous avez vu, je suis la même taille que le grand requin blanc. Ou même s'il est un peu plus. Ah oui, yes, j'ai une ruée vers l'or. Je peux y aller. Ah non, trop tard, elle est finie. Attendez. Je suis vraiment affamé. Hop, attendez, on va y aller. Hop. Mais je vais très vite mourir. Je suis mort. Hop. Mais vous inquiétez pas, je vais reprendre une petite gemme, hop, pour le faire. Donc c'est parti.